voir tout ce monde qui vient chercher un emploi et on espère vraiment profondément que les 250 offres prévues puissent correspondre à tous ces gens qui sont venus parce que le problème de l'emploi, c'est le problème numéro un aujourd'hui dans notre société. Et nous allons notamment sur le territoire de Bois-les-Hauts-Provence développer très intensément l'économie sociale et solidaire. Elle représente pour nous déjà sur ce territoire 10% des emplois. C'est une autre forme d'économie. Et nous appelons à ce que les deux économies travaillent en synergie, l'économie classique et l'économie sociale. Le réseau local d'accompagnement, ce sont des acteurs et des compétences au service des projets d'économie sociale et solidaire. Et donc nous accompagnons des porteurs de projets et des structures associatives ou coopératives ou entreprises à donner du sens à leur action, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est faire émerger des projets qui combinent l'utilité sociale et la performance économique. Je vais faire une formation sommelière et je cherche donc quelque chose qui aurait un rapport avec l'hôtellerie-restauration. Donc voilà, mais bon, à côté de ça, jusqu'en septembre, je suis disponible. Donc je suis allée faire des demandes pour des boîtes d'intérim. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer à des ateliers de speed meeting avec la possibilité de travailler sur son CV, sa lettre de motivation et de démarrer un entretien d'embauche. C'est des rencontres.